de merde. De plus, ces saloperies de girouettes volantes me faisaient la peau. Je me demande où ces monstres peuvent bien sortir. On peut même pas les abattre. Le mieux, c'est encore de leur foutre tellement de plomb dans le derrière qu'ils en vont se refaire une santé autre part et de prendre ses jambes à son cou. Bordel de merde. La main sur la caravane. Ah! Attends, la caravane a un remorqueur. Pourquoi il devrait ramer? Tu poses la question. On a besoin du bateau pour le coup du spectacle. Les barges et les esclaves, c'est juste une mise en bouche. Waouh! Et c'est quoi le clou du spectacle? Prendre le pont. On va tuer les habitants et avec une forteresse pareille et un bateau, on pourra contrôler tout le fleuve. On roulera sur l'or. Tous les chefs de gang nous font la queue pour nous faire. Tu vois le tableau?
Mais qu'est-ce que je fous ici? Comme si on avait besoin de moi. Chez moi et me prendre une bonne cuite. Hé, hey, toi! Sors de là! On se rendait à notre vie!
en cage. Tu peux ouvrir. Bien que tu sois un hérétique, on priera pour le salut de ton âme pour le restant de nos jours. Dieu te bénisse. La prière, c'est bien, mais j'aimerais te remercier avec quelque chose de plus conséquent. Écoute-moi bien. Il y a une pièce dans le terminus. On y apporte tous les objets à un puits pour que le poisson les purifie. Tiens, voilà la clé. Tu es un pêcheur de toute façon, et tu devrais y trouver quelque chose d'utile. Simon, il ne faut pas. Silentius va t'excommunier pour ça. Pas si tu ne lui répètes pas. À moins que tu préfères mourir ici, par la lame d'un païen. Bien sûr que non. Esquive.
Hey, salut mon frère de sang. Eh, tu m'as pas vu venir, hein? Les autres non plus. Je fais quasiment partie du décor. On m'a dit que t'allais récupérer une draisine au Terminus. J'ai des infos pour toi. On ne peut accéder au Terminus que par le fleuve. Heureusement, il y a une barque à quai, pas loin. Les fanatiques l'ont laissée là, on dirait. Là-bas, tu ne trouveras que ces dégénérés de mutants. À première vue, en tout cas. Tu vois, cette station-service, c'est un repère de bandits. Ils piègent les fanatiques. Ces cinglés semblent attirés par le Terminus comme les mouches par tu sais quoi. Les bandits en ont capturé 3 sous mes yeux. Tu vois ces ruines? C'est un autre camp de bandits. Ils ont des snipers. J'ai vu le reflet d'au moins une lunette sur le toit. Alors je te déconseille l'attaque frontale. Au niveau du pont, c'est le calme plat. Je n'ai pas vu le moindre type armé se montrer. Ils attendent certainement qu'on attaque, donc pas la peine de s'occuper d'eux pour le moment. Hey, c'est toi qui décides quand y aller. Et ça devrait être plus facile d'éviter les bandits de nuit. En attendant, je retourne à mon poste.
Merde, ils l'ont eu.
C'est bon. T'as gagné. Thank you.
qui va là?
Comme si on n'avait pas assez de problèmes comme ça. Regarde, il essaie de nous faire peur avec son arme. On est des paladins. On est venu affronter les démons de l'électricité. Je vois que tu es un homme raisonnable, voyageur. Tu ne pointes pas ton arme sur nous et tu sembles respecter notre foi. Mais on n'a pas le temps de discuter avec toi. On est des paladins, des guerriers de la foi véritable. Et on a une quête à mener. Il faut qu'on triomphe des démons de l'électricité armés de notre seule foi. C'est pour ça qu'on installe les symboles saints autour de nous. On doit aussi dire nos prières, car la moindre erreur pourrait nous coûter la vie. Et c'est pour ça que tu ferais mieux de partir. Merci de t'être comporté de la sorte, mais c'est dangereux pour un étranger de rester ici. Et ton incrédulité pourrait causer notre perte. Ne le regardez pas, mes frères. Reprenons nos prières, car nous avons beaucoup à faire. Après tout, c'est la volonté du Seigneur de rendre notre quête plus ardue en menant cet hérétique à nous. Autrement, comment prouver la force de notre foi ? Ne tire pas, pitié! Et je sais rien! C'était juste une partie comme les autres. Mais il a fallu qu'un abruti se mette à tricher, et il a dégainé le premier. Et avant que je puisse dire quoi que ce soit, ils ont tous ouvert le feu. Ils sont tous devenus fous! Je pouvais rien faire! Rien, je te jure! Je suis pas un menteur! Bobert pourra te le dire! Mais ne tire pas! Et qui c'est ? C'est Pima qui l'envoie. Bobert voudrait garder tout le pognon. Oh, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Ah, j'espère que tu ne vas pas t'en battre. Le barman est censé survivre. Et le barman survit toujours. Ouais.
J'aimerais bien manger un truc. C'est déjà entré dans le terminus. Qu'est-ce qu'elle a dit déjà? Un long voyage. Un destin périlleux. Crains l'étranger silencieux. Ah!
d'effet négatif apparent.
Exemple, en cas de problème, tu sais quoi faire.
Espèce d'enfoiré! Prépare-toi à me recevoir!
Jacob. On se voit. Bon boulot. Maintenant, ramène-toi ici. La caravane est arrivée. Au brouilleur. Elle est pas magnifique. Artyom, mange. Il faut que je te parle de quelque chose. Artyom, je ne sais même pas comment. Salut, Artyom. Voilà. T'as fait du bon boulot. Merci. Alors, voilà le plan. Ton groupe capture le remorqueur, puis Duke, Crest et toi, vous rejoignez le pont. Pendant que Crest occupe les gardes, Duke et toi, vous montez discrètement dans la salle des commandes et vous baissez le pont. À ton signal, on force le passage, on vous récupère et... Eh ben, on prie pour que ça fonctionne. Je peux pas vous fournir de soutien direct à Duke et à toi. D'après nos renseignements, l'ennemi a concentré ses forces au barrage. Ah, une dernière chose, Artyom. Fais attention à Duke, ok? C'est un bon éclaireur, mais c'est un peu une tête brûlée. Je sais qu'il est jeune, mais s'il continue comme ça, qui sait ce qui peut lui arriver? Donc, montre-lui l'exemple et ne prends aucun risque. Tu es son modèle, alors souviens-toi que tu fais partie des forces spéciales et ne fonce pas dans le tas. Bonne chance, Artyom. Bienvenue au bercail, Ranger. On dirait que je me suis inquiété pour rien. Bon, prêt pour la dernière ligne droite? Bonne chance. Et encore merci.
t'as réussi. J'étais folle d'inquiétude pendant que tu étais dans ce terminus. Hier, Mark m'a dit que tu avais récupéré le wagon-lit. T'es le meilleur. Désolée, je parle beaucoup, mais tu m'as tellement manqué. Ok, ok, revenons à la mission. Saleté de tout. Je crois que j'ai passé trop de temps dans cette décharge. Bon, ils ont plus de garde que prévu. Ça me paraît risqué. Mais d'après Grace, ces caravanes ont souvent un capitaine à leur tête. Donc si on le capture, les autres seront morts. Ils ont une de garde. Quatre près de l'échelle du remorqueur et des sentinelles sur un barcadère. Sam s'occupe du flanc droit. Vas-y, Sam. Je suis en position. Je vois un garde. Duke est à gauche du hangar. À toi. Duke en position, prêt à descendre le garde. L'idiot est à la grue du fond. Prêt à attaquer. J'ai un visuel sur tous les gardes de l'embarcadère. Crest a inspecté le sous-sol. Ils sont deux ici. Ils sont occupés à réparer un truc. Ça me semble le meilleur endroit pour entrer discrètement. Bien. Artyom, on est tous en place. T'as réussi à sortir de l'église discrètement, alors fais donc même ici. Ouais, c'est pas marrant de défendre des amateurs comme eux. Boucle-la un peu. Allez, Artyom, c'est toi qui commande. À toi de décider. Ok, allez. C'est une grande fenêtre. Essaie de monter à bord du remorqueur. On tourne. Regardez, le voilà. Je vous rappelle le plan une dernière fois. Dès que le remorqueur est capturé, Sam, Lidio et moi, on retourne à l'Aurora pendant qu'Artyom, Duke et Krem vont jusqu'au pont à bord du bateau. Bonne chance. Ouvrez le feu, il a été repéré.
S'arrêter à mi-chemin et attendre dans les roseaux jusqu'à 4 heures. Il faudra qu'on arrive de bonne heure. Le brouillard sera épais et ils seront tous endormis après l'office du matin. Artyom, Duke, on touche au but. Là, vous voyez le feu tout en haut? C'est la salle des commandes, ou ce qu'il en reste. C'est un sanctuaire maintenant. Soi-disant qu'on est plus proche de Dieu là-haut. C'est là que vous devez aller. Moi, je vais occuper les gardes. Attrape la corde! Ouais. Hey, matelot! Qu'est-ce que t'as fait de ta barre? Tu vas vendre quoi maintenant? Tordant! T'aurais une bâche, le comique? Alors, Artyom, on y va? On a heurté le premier arrivé à gagner. Bonne chance! Il a fallu qu'on abandonne la barre sur la rive. Artyom, Duke, le Wara approche tranquillement de la position. On sera prêt à passer à l'action à votre signal. Au sens du colonel, on vous tient au courant. Terminé. Comme l'avait prévu le père silencieux. Qui est arrivé? Les esclaves sont. T'as raté le sermon de ce matin ou quoi? Non, pas du tout. Un jour, on va t'envoyer combattre les démons. Ça. Mais c'est tellement tôt. Rappelle-moi ce qu'il a dit. Ah. Alors voilà. Un hérétique s'est pointé. Chercher nos âmes! Qu'est-ce qu'il y a après les feux de camp? Hérétique est ici, mes frères! Il nous reste plus à trouver!
Dans l'entrepôt. Parti ma bénédiction pour toi. Voilà la parole du Seigneur.
Je serai avec vous. Je vous protégerai parce que je serai fidèle, à la fois véritable, et rejetterai la technologie satanique. Thank you.
La Volga est derrière nous. Les vastes étendues russes nous attendent désormais. Malheureusement, le destin aura voulu que Duke ne les voie pas. Suis-je responsable de sa mort? De tout ce qui s'est passé au pont? Peut-être. On vit dans un monde cruel et on ne peut rien y faire. On voulait juste passer. Et je n'y suis pour rien s'ils ont voulu en découdre. Leur zèle me fait penser au métro.
où on nous conditionne à croire à un mensonge, que le monde est mort et qu'il n'y a nulle part où aller. Et si on se pose des questions, on nous sert un autre mensonge. La guerre n'est pas terminée. Ici, c'est l'électricité est un péché. C'est du pareil au même. Artyom. Artyom. Réveille-toi, chérie. Il est réveillé ? Artyom, le colonel te demande sur le pont. À plus tard ! Allez, lève-toi. Je suis tellement triste pour Duke. C'était encore un gamin. Il me demandait toujours des conseils pour plaire à une fille qu'il connaissait, pour savoir quoi lui dire. Il était pressé de la revoir et d'afficher fièrement ses cicatrices et ses médailles. Reste un peu avec moi, Artyom. C'est agréable. J'aimerais rester comme ça toute la vie. Artyom, quand tu escaladais ces ruines à Moscou, avec ta radio, tu t'es demandé à quoi ressemblerait notre vie à la surface. Une maison à nous. Un endroit où on pourrait vivre. Une cabane en bois, en lisière de forêt. Ou pourquoi pas un bungalow au bord de l'océan. Même si... il y a quelque chose de grisant à partir à l'aventure comme ça. Ensemble. Dans les gares abandonnées, dans les ruines, dans les terrains vagues. Surtout dans notre compartiment privé. D'ailleurs, ce serait pas notre voyage de noces. En tout cas, ça y ressemble, avec un peu de retard. Les occasions de partir en voyage de noces ont été plutôt rares jusqu'ici. Alyosha n'arrête pas de dire à tout le monde que Duke avait le temps de sauter. Les autres essaient de s'en convaincre aussi, mais je... j'y arrive pas. Bien sûr, j'ai déjà vu des amis mourir. Duke ne voulait pas mourir. Il était toujours partant pour les missions les plus dangereuses. Mais il ne s'attendait pas à mourir. Il vous admirait, Stepan, papa et toi. Surtout toi. Il n'est pas mort pour rien, hein. Il voulait qu'on réussisse, qu'on rejoigne Yamantao. Il voulait qu'on leur parle de Moscou, de comment on a fait pour survivre, de notre espoir toujours intact, de comment on a fait pour se cacher si longtemps. Mais quand j'essaie de me mettre à ta place, et même dans le doute, je ne pourrai jamais vivre avec ça sur la conscience. Donc, tu penses que je devrais vider mon sac? Je vois pas pourquoi ça me soulagerait. Je me disais, à la maison, on enterrait nos amis et on les vengeait. À la maison. Cette vie était merdique, on était prisonniers de chaînes. Non, pire encore, de mensonges. Et maintenant, on cherche une nouvelle maison. Mais ici, c'est la maison de quelqu'un d'autre. Et on n'a pas été invité. Allez. Il faut que je me reprenne. Vas-y. Papa voulait te voir.